Salut mes amis et bienvenue à la maison. À la demande générale, un plat rapide, pas cher, facile à faire. Au menu, linguini Alfredo aux champignons. L'élément principal sera bien sûr les linguini. Celles-ci sont à la tomate. Aux épinards nature, c'est pareil. La garniture sera bien sûr les champignons. Fromage parmesan râpé, comme ça. Et la crème 35% cuisson, environ 150 ml. Le sel et le poivre seront de mise. La cuisson se fera au beurre. Et voilà. Pour la décoration finale, basilic frais du jardin de mon voisin. Le plus long et le plus dur de la recette, c'est de faire chauffer l'eau pour faire cuire les pâtes. Eau allume, comme ça. L'eau, je la sale, comme ça. Assez généreusement. C'est assez, attendons l'ébullition. L'eau commence à bouillir, les pâtes, pince dans l'eau. Remue un peu comme ça. Lorsque l'ébullition reviendra, 2 minutes. L'ébullition revenue, temps de cuisson 2 minutes. Comme ça. Nous avons amplement le temps durant ces 2 minutes de couper les champignons. Champignons en lamelles comme ça. Tu t'apposes en julienne. Julienne réserve. On continue. Tu t'apposes julienne. Champignons réserve. La pause, julienne. La pause, comme ça, julienne. Champignons en réserve. 2 minutes, c'est prêt. Pince. Les pâtes, j'égoutte, comme ça. Secoue un peu, comme ça. Les pâtes dans le bol. Passoire terminée. Huile d'olive. Un peu comme ça. Et le roule. Les pâtes, je ne les refroidis pas l'eau. Comme ça. Bien roulé à l'huile d'olive. Je les débarrasse. Et je les laisse refroidir à leur rythme. Une fois les pâtes froides, bien filmées au frigidaire, elles resteront comme ça al dente durant une semaine. Maintenant, passons à l'action. Poêle, feu, allume, comme ça. Beurre, insère, comme ça. Le beurre frémit, champignons, insère. Assiette terminée. Je le fais suer comme ça. Poivre du moulin. Tourne. Comme ça. Poivre. Sel. Et on tourne. Comme ça. Les champignons sus. Les champignons sont bien sués, cuits, crème, insère, comme ça. Légère réduction, à ce stade, consistance sirupeuse, comme ça. Les pâtes, insère. Nous avons pour deux personnes, la moitié. Et voilà, on roule. Fromage parmesan, un peu comme ça. Et on roule. Terminé. Maintenant, on dresse. Assiette chaude. Aïe. La voilà. Tourne et retourne, comme ça. Dresse. On tourne, comme ça. Un peu de volume. Décoration personnelle. Basilic de chez le voisin. Comme ça. Maître d'hôtel, l'Alfredo de la table 55 est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en Espagne et partout ailleurs. Salut, bye. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et de faire vos commentaires dans la section ci-dessous. Comme beaucoup d'entre vous font ma recette avec un succès extraordinaire, n'hésitez pas à m'envoyer vos chefs-d'œuvre dans ma page Facebook. Bonne semaine, à la semaine prochaine, 10h AM vendredi. Et si par curiosité vous voulez voir la vidéo de la semaine dernière, elle est ici.